S'il n'y a pas de questions à notre rapporteur, je vais revenir sur un rapport parce qu'en tournant vite les pages, j'en ai raté un et j'ai privé Daniel Boucher du rapport numéro 11 qui est un avenant avec le PFL. Mais avant de lui passer la parole, je voudrais préciser que sur le rapport numéro 9 qu'il a présenté, qui visait à une rétrocession au bénéfice de la SPL, n'ont pas pris part au vote Aurélie Lemeur, Isabelle Duneau, Daniel Boucher, Sylvie Kosca et moi-même, car nous sommes administrateurs de cette SPL, et donc nous ne pouvons pas prendre part au vote. Désolé de vous avoir fait parler le dernier, Daniel, mais... C'est aucun problème. Merci de me donner la parole. Donc, là, on retour au foncier, donc avec un avenant financier établi sur la convention de portage de la SPL pour le compte de la ville. La SPL, bien qu'intervenant sur l'ensemble du territoire communal, fonctionne par secteur. Et la convention en question, c'est la 16-295 qui concerne le secteur Alsace-Lorraine-Garibaldi. On va juste lire rapidement le tableau qui synthétise un petit peu la situation financière sur ce secteur-là. Et donc, il y a eu 3 150 000 d'acquisitions sans TVA, indemnité de résiliation 270 000, c'est en gros les résiliations de bail, les frais de notaire et autres 44 479, les diagnostics divers, donc 11 288, les travaux immobilisés 204 000, et là, il y a une TVA, donc 232 217 avec TVA. Ça concerne, je crois, essentiellement des travaux de déconstruction. Et donc, un total de dépenses de 3 679 826 hors taxes et 3 707 985 TTC. Il y a eu un versement volontaire un peu anticipé par la ville de 1 528 000 pendant cette année. Et les annuités habituelles qui sont perçues, donc 33 628. Donc un total recette de 1 561 628 et un capital stocké de 2 146 357 TTC. Donc stocké au 15-2-2020. Ensuite, il y a le tableau avec les annuités en capital stocké jusqu'à la fin de l'échéance en 2027 pour ce secteur. Donc avec des annuités qui sont plafonnées à 2% pendant les trois premières années, donc 2018, 2019 et 2020, et ensuite à 13,43% en taux fixe jusqu'à 2026, et le solde après l'acte de récession, quoi, selon l'acte de rétrocession. Voilà. Donc en conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de vous prononcer sur l'acceptation des modalités financières conformément à la convention initiale signée le 18-12-2017 et à l'avenant financier numéro 3 qu'on vient d'évoquer, échéance annuelle. Et autorise le maire ou son représentant à signer tous les actes et documents nécessaires à l'application de la présente délibération, en particulier l'avenant financier numéro 3, échéance annuelle à la convention de portage. Merci. Chacun a compris que ce sont des avenants réguliers qui contractualisent avec les opérateurs, en l'occurrence le PFL, dans le rôle qui lui est dévolu de porter pour le compte de la ville, en l'occurrence, des maîtrises foncières. Il y en aura sans doute d'autres, parce qu'on prendra éventuellement des décisions de libérer le portage dès lors qu'il devient éventuellement trop coûteux pour la ville, puisqu'on voit que les taux de portage évoluent avec les années. Est-ce qu'il y a des questions ? J'en vois pas. Pas d'opposition, pas d'abstention sur cette dernière délibération.